On est tous touchés de loin ou de près par la violence faite aux femmes. Et je me suis dit, qu'est-ce que moi, je peux donner à ma petite échelle? Et en fait, on se rend compte, c'est ça qui est merveilleux aussi, surtout dans une structure comme ça, comme dans la Maison des Femmes, que chacun est important et que chacun amène quelque chose, que ça soit effectivement le corps médical, mais que ça soit aussi bien des gens, par exemple, qui utilisent l'art pour pouvoir faire du théâtre avec des personnes qui ont subi des violences, le karaté, le sport. Voilà, et moi, je donne ma notoriété qui permet parfois d'être un peu plus médiatisée. C'est très difficile d'ouvrir une porte et de demander à l'aide, mais dites-vous que vous avez quelqu'un sans doute autour de vous qui peut vous aider. Et c'est difficile, hein, de prendre la parole, hein. Alors, je ne vais pas parler de courage, parce que celles qui ne le font pas, ça veut dire qu'elles ne sont pas courageuses, et ce n'est pas ça. Parce que c'est difficile d'ouvrir une porte, c'est difficile de demander à l'aide, mais parfois, c'est encore plus difficile parce qu'on pense tout de suite à une antenne policière, c'est-à-dire la gendarmerie et la police. Et parfois, moi, je me dis, c'est pas mal aussi de passer parfois par des associations ou d'être accompagné d'une amie, de quelqu'un en qui on a confiance. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, regardez autour de vous, il y a toujours quelqu'un qui sera prêt à vous écouter et à vous aider.